Hey, oh, salutations à ta famille, j'espère que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille, je suis très content, famille. Petite réaction rapidement, hein. Eh ben, ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. Toujours Fally, Ipupa, le sel et l'unique famille. Déjà, nous voyons dans quelques vidéos hein, qui ont fait polémique, Fally, Ipupa en train de présenter le visa de ses musiciens pour le Canada. Du 19 août 2022 au 7 août 2026. Pour le States, ainsi que pour la France, je dirais ça. Mais c'est plus pour les States, carrément. Ça fait beaucoup couler d'encre et des salives dans la communauté congolaise. Comme quoi, Fally Ipupa ne devait pas le faire. Il a déjà un niveau assez élevé. D'un côté, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Ce n'est plus à son niveau, puisque il faudra bien l'avouer. Hein. Nous, Congolais, Africains, en général, hein, l'obtention d'un visa d'une durée de 5 ans, c'est assez incroyable, voyez-vous. En plus, pour deux musiciens qui autrefois ont été négligés de par l'histoire, que l'on maîtrise tous, mais déjà, avoir un groupe avec lequel on évolue, obtenir de visa de 5 ans à multiples entrées, c'est quelque chose d'énorme. Et clairement, voyez-vous, que d'autres musiciens, que d'autres leaders de certains groupuscules également, hein, musicaux, j'ai envie de dire, hein, n'arrive pas à satisfaire ses légers besoins de voyage dans le but de se produire dans chacun, on va dire, de pays, dans chacune, on va dire, des destinations où ils vont. Il n'y a pas assez de complications. Donc voilà, ce qui fait ça est que Fally Ipupa, ce n'est plus un artiste à présenter. Il a une notoriété qui lui précède de partout où il s'en va. C'est d'abord son nom carrément, puisque c'est un grand poisson dans la musique congolaise, africaine. Pourquoi pas, il se ferait un chemin dans la musique world d'une manière générale. Donc voilà. Et ben, j'aimerais attirer l'attention de certaines personnes qui disent très mal, on va dire, comme quoi il n'aurait pas dû agir de la sorte. Quelque peu, l'Africain a besoin d'une petite preuve, on va dire, puisque n'arrive pas à mieux accepter, n'arrive pas à mieux, on va dire, cautionner le parole, simplement. Alors, il faudrait qu'elle soit, que ces derniers, que cette dernière, j'ai envie de dire, la parole soit suivie de l'acte, soit suivie d'une preuve pour accepter, voyez-vous. En quelque sorte, c'est une, c'est une preuve, mais au-delà de ça, c'est un exemple également qui renvoie à d'autres leaders. Eh ben, le niveau qu'il a au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler chinois devant lui parce que il a atteint un niveau assez élevé. Et ben, le niveau qui est élevé s'accompagne également de grands moyens. Hein, et ces grands moyens peuvent nécessairement subvenir à quelques besoins de production, quelques besoins de réalisation, de visa, demande de visa. Et ben, quelque part, c'est une forme de crédibilité également quand on a un nom assez énorme. Et ben, on peut facilement accéder là où certaines personnes sont récalées. Donc voilà, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Après, parler de sa musique, parler de la monotonie, parler de son univers est toujours en répétition, je dirais, c'est un faux débat. Fally Ipupa n'a plus rien à prouver au jour d'aujourd'hui. C'est un artiste accompli et complet. Et d'ailleurs, c'est le seul artiste, ou je dirais parmi le seul artiste qui font nourrir YouTube congolais. YouTube congolais, cette plateforme au jour d'aujourd'hui, donne la possibilité à n'importe qui de se lancer, de mettre devant lui son téléphone, sa caméra, et puis voilà, de débiter des choses qui sont en rapport avec sa musique, en rapport avec sa personnalité ou non. Et ben, tout le monde s'en bat le rein. Je voulais de passer les bornes, mais tout le monde s'en bat le rein, donc voilà. Le cacahuète, j'ai déjà envie de dire. Donc voilà quoi. Et ben, la possibilité est donnée à n'importe qui, comme je l'ai dit tantôt, de débiter des sottises, de bêtises sur un tel ou X ou Y, mais encore faut-il
voir la réalité en face, le preuve carrément, le preuve, puisqu'il nous a largement prouvé de quoi il est capable et il ne cesse de le faire, family, de par son dernier son bloqué, qui est un énorme carton, challenge par-ci, challenge par-là. D'ailleurs, je vais revenir sur une de vidéos, clairement, hein, pour faire une réaction là-dessus. Donc voilà, moi, c'est Vimaouete. Dites-moi ce que vous avez pensé de cela en commentaire. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Ciao, ciao.